Commencer l'enregistrement. Et salut pour ceux qui regardent ce nouveau record, je crois que c'est le sixième. Ouais, ça doit être le sixième. Sur YouTube, alors je switch ça, hop, ici. Normalement, ça devrait être bon. Alors, le volume de la musique du jeu, par contre, est super bas. C'est étonnant d'ailleurs. Musique du jeu, par contre, on va la diminuer parce que je me suis fait flag sur deux fois de suite sur YouTube, donc du coup, on va éviter. Alors, hop. Dites-moi si le son est correct, si c'est bon. Si c'est bon, bah let's go. Je fais juste un truc, alt-tab, j'aime bien avoir. Allez. J'aimerais bien avoir. Le retour de d'XSplit pour être sûr que ça ne drop pas. Voilà, normalement ça devrait être bon. Qualité du. Qualité de l'image, tout ça, tout ça. Dites-moi si c'est ok. Et si c'est ok, bah, on y va. Exactement, Sildra. Exactement. Je pense que ça doit être bon comme ça. Bon, du coup. Trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. Lance-roquette, les pistolets, mitrailleur. Lance-roquette, fusil à pompe, lance-grenade, fusil à pompe. Comment la cadence de tir du fusil de précision de 100%. Pour tout ce qui est munitions, de toute façon, j'ai Elisabeth, donc du coup. Ça me sort bien ça. On va garder ça pour un petit moment. Je sais que je peux utiliser ça sur... Des mille pattes. Ouais, des mille pattes. D'accord, j'aurais mis mes mille pattes dans ton cul, tu vas voir ta tête. Trouvons Chenlin et filons loin d'ici. Allons, allons. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de PK. Qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'est pas laissé un bras à l'évanier. Pour l'instant. Par là, mon pyromane. Je n'ai rien pour vous. Bon, comment ça fonctionnait encore? C'était quelle touche? Je suis en train de chercher après ma touche en même temps, c'est pas la meilleure idée du monde, mais. C'est V? Ouais, c'était V, ok. Super. Ok, donc c'est le V. Il est où ce con? Les résultats sont excellents! Je suis aveugle, c'est cool. L'univers est sympa, ouais, c'est vrai. Ce jeune arriviste est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais sans cette brave femme, il ne sait plus trop quoi faire.
l'air de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'embauche. Pour une chanson. Vous n'en valez pas la peine. Booker, tenez. Merci. Tu peux pas m'en donner pour le pour celui-là, non, à la place. Non, j'étais trop chiant. Je vais voir si je peux trouver d'autres. Je disais bien qu'il y en avait un là au-dessus là. Ah mais genre il est pas mort là. Bah il est mort. Il aussi. C'est vrai parce qu'il y a des fois il leur faut une balle pour les tuer et des fois il leur faut plusieurs quoi. Alors qu'ils ont pas de... Ils ont rien de particulier donc du coup... Votre grand rival est incollable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Prenez ça. On récolte ce que l'on sème. Oh. Qu'est-ce que la vie vaut-elle mieux que la foi? Sérieux avec tous les gyroptères là? J'ai besoin d'un peu de temps. J'ai trouvé des munitions. Salut. Non, t'as pas envie de me donner des bonnes, des vraies munitions. Quatre. Note, super. Je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais pourtant Hulk, c'est pas dur. Toi, c'est en haut, t'es tranquille. Je me rends compte à quel point j'avais tort. Eh ben ouais. Ça ne m'intéresse pas, Fink. Allons. Je sais très bien quelle mission vous a confié Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante. Bla 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 bla. Voilà. Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire. J'obtiendrai ce que je veux. Te zut, Sildra. Je te zut. On dit oui, comme on le dit, et puis c'est tout. Lance-grenade et tout, il n'y a même pas besoin de les utiliser, quoi. Booker, il y a une porte ici. Touk, 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 touk. Ouais, deux secondes. Mademoiselle. Encore de l'argent. C'est genre Hulk. Ok. Merci. J'avoue qu'Elisabeth a des rares persos que j'aime bien dans les jeux. C'est bon, faut avouer que l'autre là dans Resident Evil. J'ai oublié son nom, elle est un peu isolée, c'est un peu chiante. Alors,
aujourd'hui. Un type comme toi ne m'intéresserait toujours pas. Putain, cette façon de mourir, quoi. Laisse tomber. Bah, tu boudes. T'as pas l'air contente. Eh oh. Bon, on verra bien. Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. J'ai une serrure à crocheter. Ok. Ouais. Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment ? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi ? Ouais, à ton avis. Ça ne servait à rien. De la pure folie. Quand tu lui tapais sur la tête. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi ? Contre les gens comme moi. Et voilà. Ça, c'était pas trop dur. Il n'y a pas l'air en tout cas. Boost. Oh bah, voilà. Ce fut bref. Oula, il y a un bug un petit peu. Oh, c'est un codex pour déchiffrer. Un message secret de la Vox Populi. Des codes secrets. Le code doit se trouver dans les parages. C'est un peu chaud d'un coup. Elisabeth peut décrypter des codes contenant des secrets de la Vox Populi. Trouver le code et le codex, blablabla. Trésor secret. Ok, super. Anarchiste loose. Là, on pourrait presque lire les petits trucs qui se sont écrits, quoi. Donc, du coup. Non. Munitions, tout ça. Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. Comment il parle ? T'as quelque chose à dire ? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te faire compagnie ? Bah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore trois autres derrière. Ouais, il se passe rien. Oh, il se passe rien. Mon Dieu, quelle est cette odeur ? Y a pas de toilette ici. Ils les traitent comme des animaux. Eh ouais, tu fais caca par terre, mec. Putain, mais... Non. Sérieusement, quoi. Bonjour. C'est Slate. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait. Un peu bizarre, quand même. Hein. Ah bah oui, Bondour. Ah bah, cadavre. Mission de canon à main, ok. 53 thunes sur lui, bah c'est cool. Ça vaut la peine de fouiller des cadavres ici. Ils sont là derrière, mais j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de l'autre côté en fait. 5 crochets requis, tout de ma gueule. Projetage avec une épingle. On va voir combien ça fait. On va voir combien on peut en avoir. Bon, tu l'ouvres la truc là, elle se trouvera pas toute seule si t'es. Ouais, numéro 9. Qu'ont pu faire ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil ? Fink n'a pas besoin de raison. Non, ouais, il y a une serrure. Ouvre-moi ça, s'il te plaît. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. On entend une notice de SMS au loin. C'est possible, ouais. C'est possible. Blade de Newton, vous repoussez les ennemis à proximité lorsque vous atterrissez en descendant de l'aérotrame. C'est nul. Je vais pas l'équiper du coup.
Eh ouais. Vox Populi Crime Board. Murder de Coverberry. Ok. Bon, du coup, c'est tout ce que ça veut dire hein, quand il se remet à nous parler. Ça veut dire, je vais venir te péter les couilles parce que je suis un chieur. Pas de couleur pour du sang quand même. Hein. Ouais, bah je peux pas tout le temps lire, Sildra. Hein. Donc tu te calmes et tu retournes faire tes fanarts. Merci. C'est l'enculé de base, tu sais. J'entends et tu aurais. Bon. Super, je vois que dalle. Mais genre, quand je dis que dalle, c'est vraiment que dalle. Hein. Mon dieu. Ouais, bah en même temps, si t'avais ouvert les yeux, hein, t'aurais vu que... Le mangeur de Nem, bah il a... Il n'aime pas ça, apparemment. C'est bon, je sors. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. Avec le bruit et tout. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Il est mort. Mais est-ce qu'est-ce que... Moi, je vois... Face. Moi, je vois... pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que tu vois là, de cet angle? Mort. Écoutez. Et de cet angle? Vivant. Booker. Chen Lin. Tout ça devient... Plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. Sous un angle différent. Nuit. Face. Jour. Nuit. Mort. Jour. Vivant. Nuit. Il faut qu'on... Et eux, ils restent là. C'est ça qui est marrant. C'est autre Columbia, mais... mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous entrons dans cette faille... Je ne pense pas que je pourrais vous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? Oui! Ouais, ou la faille. Voilà. Vous allez peut-être faire caca, dis donc. Regardez. Il n'y a plus de sang. Et pas de corps. C'est un autre. Eh ouais. C'est avec la Vox Populi qui a gagné. Je pense pas que notre armurier sera la seule différence dans cette Columbia. Ah, la tronche du truc. Ok, bah bonne nuit du coup, Letty. Ouais, laissez nous sortir, on est des gentils, vous faites chier. J'ai envie de leur tirer dessus, mais je vais me faire tellement défoncer. Calme-toi. Et toi aussi, et toi aussi. Voilà. J'ai tué les autres parce que je me suis rendu compte après que j'ai tué un... Ouais, sweat. Du coup, je me suis dit, putain, ils vont encore croire des choses bizarres, les gens, après. Donc, du coup, il y a tout le monde qui est passé. Du coup. Tenez, de l'argent. Merci. Super. Quoi, oh? On se calme. Vocal portel. Et t'as vu, il est encore là. Daisy Fitzroy. Allez, sale pourriture. Dis-nous tout sur Daisy. Laissez-le, hein. Scofield a dit de le laisser. Ils ont confisqué ses outils. Ça devrait suffire, je suppose. Pourquoi? Eh ben quoi? Tu bosses à la cadette? Sa femme a des amis au placé. Allez, libère la cellule. Donc dans ce monde, il n'est pas mort. Comment Chen Lin peut être vivant? Dans ce monde, personne ne l'a jamais tué.
On comprendra pourquoi, je suppose. Je pense la, pas que tu puisses changer quelque chose comme ça sans que ça ait un impact sur le reste. Ces hommes... Je les ai tués. Ils étaient morts. Non, parce qu'ils étaient morts ici, pas normalement. Booker, leur nez... Bah, dis donc, ça fait mal. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se rappellent. Se rappellent quoi? Qu'ils sont morts. Se rappellent qu'ils sont morts dans une autre vie. Qu'est-ce que c'est que ce tourbillon, Sarge-Marc? En tant que directeur de la sécurité, je vous conseille de venir comment ces jours ont pu passer. Et surtout, ce qu'ils faisaient au sol. Non. Non. Cet homme qu'on vient de combattre. Dans l'autre monde, c'est lui qui était pendu contre le mur. Dans l'autre monde. Eh ouais. Toute cette histoire me colle mal au cœur. Eh, merci Corde du 58 pour le soutien, ça fait plaisir. Comme d'habitude, tu connais le blabla habituel, du coup... pas saoulé avec ça tout le temps. Oui. Putain de lampadaire quand t'es sérieux. Pas de lampe de merde en fait. Lampe tout court. Ah bah kinescope à Osef. Un effet de chaîne entre les projections des ennemis. Ça peut être sympa ça. Les cadavres abandonnés par les corbeaux meurtriers se transforment en piège. Moi j'aurais bien plus celui-là en fait. La petite vidéo. Ah, même pas quoi. La tu gardes l'argent pour manger. Exactement. Utiliser l'évier. Putain, la qualité de modélisation du truc quoi. Il doit y avoir au moins 60 polygones dessus quoi. Ouais, on va faire caca. Et ça tourne dans le sens inverse. T'as la bouteille de vin à côté des chiottes, quoi. Tranquille, le type. Bonjour. Bizarre. Encore un peu de bouclier. Tenez, gardez ça. Merci. Ça m'aide beaucoup. Fait comme d'hab, on prend tout. On prend tout, on prend tout. L'alcool régénère votre santé mais vous fait perdre des cristaux. Ouais, enfin. Hein. Voilà quoi. Remercie une fois de plus, Kant. S'amuser pour faire les statues, etc. avec les soutiens. Voilà. Voilà. Mais Jérémia Fink, pour lui, une société est comme une arche de Noé. Il y a les lions. Est tellement vide ce passage. Oh là là, mais. Ouais, tu vas morfler. Ouvrez le feu. Elle a perdu la tête, c'est je crois. Vous qui m'obligez. T'es où, petit con, là? Je t'entends parler, etc. Mais t'es où? Ah bah t'es là, en fait.
Faut lui s'en occuper direct parce que sinon il va me briser. Je vais vous expédier ça. Putain, il y en a un deuxième, t'es sérieux là? Fais pas mal, c'est mon bouclier qui prend tout donc. T'as pas envie de sortir là? Voilà pour vous. Merci. Voilà. Bah voilà, elle a eu. Elle a eu MDT, ta pépé. Bon, du coup. On va recharger ça. On va espérer trouver des munitions. Remercie une fois de plus Kant pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir. La rediff sur YouTube, ils vont entendre dire ça 10 fois. Et what the fuck, qu'est-ce qu'il dit ce con? Voilà, donc du coup. Par où il faut aller? Booker. Là. Fink a donné votre travail à quelqu'un d'autre. What? Comment ça? Tu te tais la machine, tu te tais. Et merci à toi Kuro. Bah je vais taper Kuro. Kuro, pour ton soutien, ça fait vraiment plaisir. Surtout que c'est pas la première fois, toi aussi. Donc grand merci à toi. Et comme d'hab, je n'oublierai pas de récompenser à la fin. Enfin, à la fin. Dès qu'FTP4 sera démarré en fait. Bon, on verra après pour upgrader tout ça. Exactement, Sildra. Exactement. Bon, du coup, continuez par là, hein, ça me semble par là de toute façon. Comme assister, Osef, 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 Osef. Ouais. Oh, une faille. Vous entendez de la musique? Musique. Ça vient de cette faille. J'ai jamais entendu cette chanson. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait jamais entendue. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ouais. Merci une fois de plus, Kant. Putain, faut aller par où là? C'est quoi la touche pour voir encore où il faut aller? Mmh.
Bah, il y est pas. What the fuck? Utiliser le tonique, tirer, utiliser le voxophone, s'accroupir, pas sur la droite. J'en rêve pas, il y avait bien une touche pour nous dire où il fallait tirer. Il fallait aller. Alors, on va aller en face, on va voir si on peut passer. Tu saurais ouvrir ça? Je n'ai jamais rien vu de tel. Mécanisme anti-pression. Bras, ressort, verrou de secours. On l'ouvrira pas sans un bélier. Ok. Défoncer tout ça. On va aller chez Shenling du coup. Bonjour. Moi, c'est de là que je viens en fait. Non. Nid de bouffe. Là, le Kagan. Hein? Pas d'outils. Allons voir cet armurier. Il est peut-être en haut. Ouais, il est peut-être en haut. Oh, tiens, donc ça a changé. Regardez. L'hôtel. C'est une statue de Comstock. Côté, c'était un truc Bouddha, tout ça, ou je sais plus quoi. Et cette fois-ci, c'est Comstock. Donc, du coup. Je sais pas si c'est Worsit, mais. Allez, salut. Monsieur Lin. Chen Lin. Pardon, Chen Lin. Qui êtes-vous? Parlez plus fort! Machine faire beaucoup de bruit, moi pas entendre! Moi pas voir si c'est du tout! Reculez! Ah bah oui, bon tour! Attendez en bas avec Madame Lin! Daisy Fitzroy nous envoie. On est venu chercher les armes que vous lui avez promises. Machine dangereuse! Idiot, rien à faire ici! Vous pas tenir à votre tête? Monsieur Lin, mais qu'est-ce qui lui prend? On se souvient de l'avoir vu mort. Qui sait? Peut-être qu'il s'en souvient aussi. Vous vous mettez à sa place? Non. Pas vraiment. Soignez mon mari. Calmer son esprit. Soulager son âme. Tiens, elle est normale du coup, Madame Lin. Elle parle pas comme ça. Bonjour. J'aurais tâte. Non, Sidra, ça sera certainement la boutre. Excusez-moi, je cherche une Madame Lin. Je suis Madame Lin. Non, je cherche une petite femme asiatique. Elle était... Booker. C'est elle, Madame Lin. Ses outils. Bah, sa tête, elle, a ses gros yeux et tout. Oui, votre mari a l'air un peu perdu. S'il pouvait travailler, peut-être... En travaillant, il... Madame Lin, pouvez-vous me dire qui a pris ses outils? La police. Elle les a confisqués. Ils sont à la fourrière de Shantytown. Shantytown. C'est bien vrai? Ces outils pourraient lui rendre l'esprit? Qu'importe. On n'aura jamais nos armes si Chen Lin n'a pas ses outils. Dans son bruit de chaise. Bruit de micro aussi, accessoirement, parce que le micro... Enfin, le pied du micro... s'est pris avec le reste. Donc, deux petites secondes. Il va pas te sonner ce con. Voilà, hop. Voilà, donc on va sortir d'ici. Pourquoi le curseur devient vert là? Ah! Je reprends près de moi et du coup notif quoi, et hop, direct. Bah, du coup, on va sortir d'ici. Shenling saignait du nez. Bah ouais, il saignait du nez. C'est la mode ces temps-ci. Cette faille. Ce n'était peut-être pas si bonne idée. On va dire.
On va sortir, on va voir si c'était une bonne idée. Et du coup, on va faire la pause ici, parce que YOLO, et j'aime bien ça en plus. C'est bien salaud. Donc du coup, j'ai coupé le record ici pour la 5e ou 6e partie sur YouTube. Je vais faire la pause. Et on se retrouve donc dans 5 toutes petites minutes. Donc sur ce, à tout de suite, ne quittez pas, restez pour la pause. Et en même temps, comme ça, ça fait une petite pause bien sympa pour YouTube, le truc bien en mode juste avant un combat. Donc sur ce, à tout de suite.